Bonjour. Bonjour Léa, vous allez bien? Ça va et vous? Ah, merci. Ah. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte Très pour bien. commencer. Bon. Et du coup, on peut peut-être dire ce qu'on va faire. Du coup, vous êtes consultante ressources humaines à Randstad. Tout à fait. Et du coup, pendant ce live, on va parler emploi, mission d'intérim, comment candidater et des petits conseils pour passer les entretiens. Parfait. Écoutez, Voilà. c'est une première d'échanger de cette façon, mais je suis ravie. Et puis, bah, je vais parler Okay. au nom de l'équipe, voilà, qui n'a pas pu être toute présente à cet instant, mais voilà, ça sera l'occasion. Très bien. Super. Eh ben, on va attendre peut-être un petit peu qu'il y ait des gens qui arrivent et puis on va commencer. Parfait. Bon. Mais du coup, on va commencer. Alors, surtout pour ceux qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions à Vanessa, il n'y a aucun souci, on y répondra pendant le, on y répondra pendant, pardon, pendant le live. Et il y a pas de souci, donc vous pouvez poser toutes vos questions. Et la première, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter, Vanessa? Alors peut-être avant de me présenter juste personnellement, je vais juste brièvement présenter donc l'agence Randstad où je travaille donc maintenant depuis 11 années en tant que consultante en recrutement. Donc on a la chance d'avoir une agence qui est généraliste à Alençon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est amené à déléguer, je dirais, tout talent, tout personnel dans tous les domaines d'activité possibles. Sauf peut-être, on y reviendra plus tard, mais sauf tout ce qui est lié effectivement au domaine médical, paramédical, c'est plus une de nos filiales qui va s'en charger. Donc je suis Vanessa, effectivement. Donc je travaille à l'agence depuis, je l'ai dit, 11 années. Je suis ravie de faire ce métier, c'est un métier qui est passionnant et qui me permet effectivement d'être au contact, alors je dirais, aussi bien des personnes qui viennent nous rencontrer en agence, qui recherchent un emploi, que des partenaires emploi, que de nos clients, de nos prospects. Et ce qui fait effectivement que voilà, c'est passionnant de travailler, je dirais, au sein de ce groupe chaque jour. Voilà. Du coup, maintenant, on vous connaît un petit peu plus, donc on va rentrer dans les questions sur l'emploi. Et concrètement, comment on peut s'inscrire chez Randstad? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Est-ce qu'il y a un âge pour s'inscrire? Je vais vous éclaircir par rapport à ça. Donc, effectivement, alors évidemment, tout le monde est le bienvenu. Tous les talents qui ont des compétences à mettre en œuvre dans tel ou tel domaine d'activité est évidemment bienvenu. Il y a plusieurs façons de s'inscrire chez Randstad. Je vais me permettre, voilà, de les énumérer au fur et à mesure. Donc, alors, la première, effectivement, c'est que donc les candidats peuvent évidemment nous contacter par téléphone. Voilà, c'est le moyen le plus rapide et le plus direct. Alors, je ne sais pas si je donne le numéro de téléphone ou voilà, en tout cas sur les réseaux ou sur Internet, il est plutôt facile de trouver nos coordonnées. Donc, par téléphone dans un premier temps. Alors, 02 33 82 56 56. Voilà, dans un second temps, il est possible évidemment de nous contacter par email. Alors, l'adresse email de l'agence, ça sera peut-être plus simple de la noter ensuite, mais il ne faut pas hésiter peut-être à nous appeler. On vous la donnera à ce moment-là pour nous envoyer votre CV à jour, vos disponibilités. Ensuite, il est possible aussi d'aller alors sur le site internet randstad.fr. Vous avez accès à toutes nos annonces, nos offres d'emploi actuelles. Et donc, vous avez aussi les coordonnées de l'agence que vous allez trouver directement sur notre site randstad.fr. Et ce site va vous permettre aussi de postuler directement à nos annonces. Donc, D'accord. vous allez rattacher votre CV. Et finalement, nous, en agence, sur notre, bah, je dirais, notre logiciel dédié,
on va voir les personnes qui se sont positionnées, qui ont candidaté. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on aura leurs coordonnées, on pourra les joindre aussi de cette façon-là. D'accord. Et est-ce qu'il y a un dossier à faire avant ou on peut directement se positionner sur des annonces? Alors, le fait de s'inscrire informatiquement sur notre site randstad.fr va permettre, je dirais, uniquement de pouvoir candidater aux différents. D'accord. Ça ne va pas inscrire informatiquement les candidates et candidats au sein de l'agence. Donc, d'accord. C'est important ensuite bien de relancer sa candidature, de prendre contact avec moi ou mes collègues Maud et Agnella pour qu'on puisse échanger et procéder à l'inscription. Voilà. Alors, il y a une autre façon possible aussi de contacter Randstad qui est assez différente de ce qu'on peut voir habituellement. Alors, je vais vous montrer. Vous allez me dire si vous voyez bien. Normalement, oui. Le petit bonhomme qui est là, c'est un okay. chatbot intelligent, je dirais un algorithme intelligent, voilà, qui est juste ici, et que vous allez pouvoir retrouver facilement sur Messenger, pour ceux qui ont Messenger, ou sur notre site internet randstad.fr. Je dirais que ça va permettre effectivement aux personnes qui souhaitent postuler, qui ne sont peut-être pas à l'aise avec leur CV, parce que voilà, il y a aussi ces personnes-là, ils vont pouvoir discuter avec ce petit robot Randy qui va lui poser au candidat des petites questions simples, courtes, savoir effectivement dans quel domaine il recherche, sur quel secteur géographique, ses centres d'intérêt. Et ce petit algorithme, je dirais, intelligent, va faire en sorte ensuite d'orienter la candidate ou le candidat vers une agence de travail temporaire, donc Randstad, soit du secteur ou dans un autre département, qui va avoir une offre d'emploi qui va correspondre à son profil, à ses compétences. Voilà. Okay. Donc, c'est une autre façon aussi de pouvoir nous contacter. Voilà. Donc, il y a plein de moyens, finalement. Ben oui. Il y en a encore une. Alors, c'est vrai qu'elle a été un petit peu mouvementée ces derniers temps, liée à cette situation, effectivement, inédite, hein, que tout le monde connaît. Habituellement, donc, notre agence est ouverte au public sans rendez-vous le jeudi, de 9h à midi et de 14h à 18h. Alors, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore réouvert l'agence de cette façon. Je dirais qu'au fur et à mesure, les candidates et candidats qui le souhaitent nous appellent, prennent rendez-vous. Ça, c'est important aujourd'hui de faire comme ça et on les recevra sans problème pour un entretien et puis échanger sur leur candidature. Voilà. Donc, en fait, on peut vous joindre sur Internet, il y a plusieurs moyens, ou sinon sur rendez-vous. Exactement, voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a un accompagnement spécialement pour les jeunes ou pas? Alors, spécialement, j'aurais tendance à dire non, c'est-à-dire que pour les jeunes, alors quand on parle des jeunes, c'est bien souvent les étudiants. Enfin, notamment, mais c'est vrai qu'on va accompagner aussi bien les étudiants que nos autres talents, je dirais de la même façon, c'est-à-dire qu'on est là pour les orienter par rapport à leurs attentes aussi, parce que certaines et certains ont des attentes peut-être qui ne collent pas avec, je dirais, l'activité du moment, les besoins du secteur aussi. Donc, à nous de les conseiller et puis, évidemment, de leur proposer, suivant les missions actuelles, des postes qui vont correspondre à leur mobilité, à leur organisation familiale, à leurs compétences, parce que ça, c'est très important que ça puisse matcher entre les besoins du client et puis les compétences du jeune ou de nos talents en général. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent un peu plus l'été vers lesquels les jeunes peuvent plus se tourner? Alors, c'est comme je disais au départ, c'est vrai que, sachant qu'on est une agence alors généraliste, aujourd'hui, on n'a plus en tout cas, depuis ces dernières années, des périodes, des saisonnalités qui vont faire qu'il y a un domaine d'activité, une entreprise qui va avoir, dans un domaine précis, plus de besoins que d'autres sociétés. Il s'avère que, bon, si on parle de cette période actuelle, on est plutôt sollicité dans tous les domaines d'activité. Donc, il n'y aura pas un domaine qui ressort du lot.
Même si on est peut-être un petit peu plus, enfin les sociétés sont peut-être un peu plus demandeuses en matière d'employés libre-service actuellement, d'agents de fabrication en industrie, de préparateurs de commandes, de caristes. Voilà, il n'y a pas, un secteur proprement parlé qui va plus recruter que d'autres. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents contrats qu'on peut avoir quand on s'inscrit en intérim? Bien sûr. Alors, effectivement, donc, le contrat qui est le plus connu quand on vient s'inscrire dans notre agence intérimaire, c'est le contrat de mission intérimaire. La mission intérimaire qui va nous amener effectivement à pouvoir déléguer, alors, sur une plus ou moins longue durée, un candidat. Ça peut varier suivant les besoins ponctuels, les besoins du moment. On va pouvoir déléguer une intérimaire ou un intérimaire sur une demi-journée, par exemple. Si on va prendre un exemple concret, on a besoin d'un aide déménageur qui va venir en renfort pour aider voilà, les permanents d'une société. Mais parfois, il y a besoin que d'une demi-journée. Ou alors, ce sont des contrats à la semaine qui peuvent durer voilà, jusqu'à la période légale de délégation, c'est-à-dire jusqu'à 18 mois dans telle ou telle société. Voilà, ça peut être alors rarement des contrats mensuels, mais voilà, plutôt des contrats à la semaine qui peuvent être renouvelés comme ça jusqu'à 18 mois. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir des contrats sur le long terme en intérim? Alors, bien sûr. Et effectivement, ça, c'est une information importante. Et alors, le recrutement CDI et CDD prend une part de plus en plus importante au sein de notre activité. Et évidemment, on en est plutôt ravis puisque de plus en plus, alors, nos clients nous font confiance et nous délèguent toute cette partie, effectivement, de recrutement pour lesquels ils étaient plutôt habitués à faire eux-mêmes, finalement, à aller recruter les talents eux-mêmes. Et c'est vrai qu'ils nous délèguent de plus en plus cette partie. Donc, on est amené effectivement à recruter, c'est pareil, sur diverses qualifications, des contrats en CDI et CDD. Voilà. Et pas que des missions intérimaires. D'accord. Et je me permettrai d'ajouter, alors, c'est un élément, effectivement, une information qui prend aussi une part importante, qui était méconnue, mais qui tend effectivement à s'accroître. Et heureusement, je dirais qu'en plus de cette mission intérimaire, du CDD, du CDI qu'on est amené à proposer à nos candidats, on propose aussi ce que l'on appelle le CDI intérimaire. OK. Voilà, donc je dirais que ça a les avantages d'un CDI et la diversité des missions intérimaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est amené à déléguer du personnel, à CDIser du personnel intérimaire qui est en poste, alors depuis un certain temps ou pas d'ailleurs, au sein d'une société. Et cette société va être demandeuse de pouvoir garder cette personne au-delà, je dirais, des 18 mois, la période légale, et donc de pouvoir aussi la faire monter en compétences, mais n'a peut-être pas cette possibilité, cette société, de recruter directement en CDI, par exemple, cette personne. Donc, ça va être une alternative de proposer un CDI intérimaire. D'accord. Juste pour bien comprendre la différence entre CDI et CDI intérimaire, effectivement, notre intérimaire qui va être CDIsé aura un revenu minimum mensuel garanti. C'est-à-dire que, habituellement, les intérimaires qui ne vont pas travailler pendant une semaine parce qu'il y a une baisse d'activité, malheureusement, ne seront pas payés par Randstad. C'est le Pôle emploi qui prendra le relais. D'accord. Là, notre CDI intérimaire, voilà, il y a vraiment un revenu minimum garanti, minimum le SMIC, si cette personne ne travaille pas. D'accord? Elle bénéficiera aussi des congés payés, suivant ce qui est convenu de la convention collective de la société où travaille cet intérimaire, et puis le maintien de l'ensemble des cotisations qui sont dues pendant l'intermission. Et puis le but, effectivement, c'est pouvoir effectivement faire monter en compétence nos talents qui sont CDIsés et leur proposer
voilà, dès qu'il y a une fin de mission, voilà, des postes qui correspondent à leurs compétences et aussi quoi identifier en amont, voilà, au sein de. Donc, c'est une alternative aussi supplémentaire à la mission intérim, au CDD, au CDI. Il y a également le CDI intérimaire. Voilà. D'accord. Et ben, il y a beaucoup de choses du coup. C'est super. Intéressant, effectivement, de pouvoir échanger sur notre activité parce que c'est vrai qu'habituellement, je dirais que l'agence intérimaire, voilà, on n'a peut-être pas, enfin, tout le monde n'a peut-être pas tous ces éléments et tous les services, effectivement, que l'on peut mettre à disposition des clients et des intérimaires pour les accompagner. Ouais, c'est Voilà. super. Il faut bien en parler et de le faire découvrir. Exactement. Je ne sais pas si on a des questions pour le moment. Je ne crois pas qu'on en ait, mais n'hésitez pas à les poser en commentaire si vous en avez. Moi, j'en ai une autre en tout cas. Est-ce que vous avez, donc c'est plus pour préparer sa candidature, est-ce que vous avez des conseils pour faire son CV ou préparer sa lettre de motivation? Alors, c'est vrai qu'effectivement, moi, je me permettrais de dire, alors, après, je pense que chacun peut avoir effectivement son avis sur la lettre de motivation. C'est vrai que, alors, la lettre de motivation, évidemment, on en tient rigueur, mais ce qui va être le plus important pour nous, c'est-à-dire que lorsqu'un candidat va nous, soit nous appeler, soit venir nous rencontrer en agence, nous fasse part de cette motivation qui est très importante et qui va rentrer en compte effectivement dans la retenue de sa candidature ou pas. Et au-delà, effectivement, de cette lettre de motivation, ce qui est important, c'est que eh bien, les candidates et candidates, candidates, pardon, et candidats se tiennent à véhiculer vraiment cette motivation, cette envie de travailler, de s'investir au sein du poste pour lequel ils postulent. Donc voilà, n'y a pas vraiment cette obligation de nous fournir une lettre de motivation à partir D'accord. du moment, effectivement, où on peut échanger en entretien, en visio, en agence ou par téléphone. D'accord. Du coup, le plus important, c'est le CV, en fait. Alors c'est vrai que le CV est un support, puisque avant effectivement de pouvoir contacter des candidats, c'est vrai que la première chose, c'est que on va effectivement eh bien regarder ses expériences professionnelles, ses formations. Voilà, il y a aussi ses coordonnées effectivement sur le CV. Ce qui est important. Quand on reçoit un CV, c'est vrai que les premières secondes, comme on dit, sont toujours très importantes. Et à la lecture du CV, il est important effectivement qu'il soit clair, tout simplement, avec le pavé, je dirais, les coordonnées. Ça, c'est important, ça paraît anodin, mais parfois, voilà, le candidat va oublier de noter son numéro de téléphone ou l'adresse mail, qu'on puisse le recontacter facilement. Ses dernières expériences professionnelles, ses compétences, voilà, que le CV soit le plus clair possible. Et puis nous, je dirais qu'avec notre expertise quotidienne, on sera amené effectivement, dans un premier temps, à se dire, voilà, suivant les besoins qu'a émis notre client, suivant les compétences qui ressortent sur le CV de cette personne, on va être amené effectivement, eh bien, à le contacter. Échanger et évidemment approfondir ces différentes expériences. Voilà. Non. Voilà, que le CV soit, je dirais, plutôt clair et qu'il soit facile à lire, tout simplement. Est-ce que une fois qu'on candidate à une offre, est-ce qu'il y a un délai de, comment dire, de relance à l'employeur? Combien de temps on doit attendre? J'imagine qu'on relance pas le lendemain, on attend une semaine, 2 semaines. Écoutez, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas forcément de règles. Alors, évidemment, la règle, quand même, une des règles, c'est, j'invite évidemment les candidates et candidats à relancer, c'est-à-dire soit nous envoyer un mail, soit nous appeler pour s'assurer effectivement qu'on a bien reçu leur candidature et qu'on peut échanger à ce moment-là. Ça, c'est important. Après, pourquoi pas rappeler dès le lendemain d'avoir candidaté, même aussi le jour même, ça arrive parfois. Voilà, après, il faut qu'ils suivent aussi, je dirais, leur instinct et puis qu'ils aillent en fonction de leur motivation, de leurs attentes et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter surtout, ça c'est important. Voilà. Je dirais que parfois, sur certaines offres d'emploi,
on peut être amené à avoir énormément, un flux quand même assez important de candidatures. Et le fait aussi de, bah, je dirais, de relancer sa candidature, ça met en avant cette envie vraiment d'être retenu, d'avoir un échange, un entretien professionnel. Donc, c'est important, effectivement. Et puis, nous, ça nous alerte aussi sur le fait, voilà, que cette personne, a cette envie qu'on puisse, bah, je dirais, échanger par rapport à son. Donc, faut pas hésiter à relancer quand on postule quelque part. Oui, c'est tout à fait. Et une fois qu'on a une réponse positive pour passer un entretien, est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire quand on passe à un entretien? Alors, c'est-à-dire, c'est quand une personne vient se présenter et qu'on a un entretien en face à face. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, enfin, je dirais rester soi-même. Ça c'est important, effectivement, puisque, eh bien, ensuite, enfin, je dirais que notre expertise va faire qu'effectivement, au-delà du CV, des compétences, il y a cette partie aussi savoir-être. Ça, c'est important, effectivement, qu'on l'évoque. Et le fait, voilà, bah, de rester soi-même, je dirais, d'être ponctuel à l'entretien, de prévenir si toutefois, parce que ça peut arriver, hein, évidemment, qu'il y aura un léger retard ou que la personne ne va pas pouvoir se présenter. Ça fait partie, tout ça, effectivement, du savoir-être. Et évidemment, nous, on en tient compte lors des échanges face à face ou par téléphone. Voilà. Donc, rester soi-même tout simplement lors de l'entretien, véhiculer cette motivation, préparer son entretien aussi, ça c'est important. Quand vous candidatez pour tel ou tel poste, alors le plus souvent les candidats ne connaissent pas forcément hein, l'entreprise, c'est-à-dire notre client qui a besoin, mais c'est important de se préparer à l'entretien professionnel, voilà, qu'on puisse échanger le plus simplement possible. Et puis, eh bien, orienter ensuite vers une retenue ou pas de la candidature. Voilà. Ouais. Et justement, avant de passer à un entretien, est-ce on doit le préparer ou est-ce qu'on peut y aller comme ça, sans vraiment trop préparer, et improviser? Alors, il y en a certainement qui improvisent, effectivement. Je pense que c'est important d'arriver, en tout cas, face à nous. Et nous expliquer le plus simplement possible pourquoi ils candidatent à ce poste-là. Qu'est-ce qui fait qu'on va retenir leur candidature? Ça, c'est important, effectivement, bah, de pouvoir échanger alors, sur leur parcours professionnel, leurs attentes, leurs difficultés aussi, leur mobilité, ça j'entends bien. Mais c'est important qu'on ressente effectivement que la personne qu'on a en face de nous va correspondre aussi bien au niveau des compétences chez notre client, que aussi à sa façon d'être, son adaptation aussi, voilà, et son envie tout simplement, c'est un mot qui revient beaucoup, mais ça c'est très important aujourd'hui, voilà, cette envie de travailler, de s'investir, d'intégrer une société, et puis voilà, se poser la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui effectivement, qu'est-ce qui va faire que ma candidature va être retenue, voilà, donc mettre de son côté en ce sens. Voilà. Bien. Donc le plus important en fait, c'est d'être motivé et de le montrer à l'employeur ou quand vous faites passer des entretiens. Oui, bien sûr. Alors, il y a toute cette partie motivation. Et ensuite, eh bien, évidemment, on recrute hein, sur les compétences de nos talents. Donc, à nous aussi de s'assurer qu'effectivement, les compétences demandées par le client pour l'offre qu'il a à pourvoir va bien correspondre aux compétences voilà, du candidat. Et puis, la motivation, effectivement, si elle est là en plus, ça ne pourra faire qu'effectivement, il y aura une très bonne adaptation. Et que ce candidat pourra monter en compétence, se former chez notre client, s'investir, et logiquement, ça devrait bien se passer. Voilà. Très bien. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à en poser. Vanessa est là pour répondre à vos questions sur l'intérim, donc allez-y. Vanessa, je ne sais pas si vous avez des questions souvent de jeunes qui reviennent assez souvent et enfin, auxquelles on n'a pas répondu.
Alors, des questions de. Alors, c'est vrai que enfin, récemment, alors, j'ai fait quelques job dating par visio. Donc, j'étais à même effectivement bah, d'échanger, alors, principalement avec, bah, avec des étudiants. Alors, qui me posaient la question de savoir sur quel secteur, c'est vrai que j'en ai pas parlé, sur quel secteur on intervient aujourd'hui. Alors, toutes nos agences Randstad en France, nous travaillons par secteur géographique. Donc, notre agence Randstad Alençon, nous travaillons, nous intervenons, enfin, on délègue du personnel intérimaire sur, je dirais, 30-35 km autour d'Alençon. D'accord. Voilà. Lié à cette mobilité, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire, est-ce que le permis de conduire est obligatoire? Est-ce qu'on est obligé d'avoir une voiture pour être retenu, aller travailler par votre biais? Alors, j'ai tendance toujours à leur dire non. Alors, évidemment, on ne va pas, comment dire, proposer une mission qui va être trop loin du domicile à quelqu'un qui ne peut vraiment pas se déplacer. Mais ce qui est certain, on en tiendra toujours compte. Et voilà, moi, ce que je dis aux candidates et candidats, c'est qu'à partir du moment où vous vous assurez de vous rendre sur votre lieu de travail, alors que ce soit en vélo, en voiture, à pied parfois, transport en commun, en covoiturage, qui se développe aussi beaucoup. Enfin, c'est absolument pas un critère, évidemment, pour que la candidature soit retenue. Le principal, c'est la ponctualité au travail, tout simplement. Après, peu importe effectivement le moyen de locomotion qu'aura les candidats. Oui, c'est pas forcément un point fondamental d'avoir le permis, quoi. Ah non, 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 du tout. Et c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Donc, non, non. À partir du moment où chacun peut se rendre sur son lieu de travail. Voilà, sans problème, à l'heure, il y a aucun souci, vraiment. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup qui reviennent souvent, autres que le permis et la localisation? Alors, récemment, bah, c'est vrai qu'on peut en parler. Alors, on a effectivement, peut-être plus à cette période-là, et pendant effectivement bah, les vacances scolaires, on a alors des jeunes, des étudiants. Qui sont mineurs et qui ont envie de travailler. Alors, à cette question, effectivement, qu'ils me posent, c'est-à-dire à savoir, est-ce que nous, on peut déléguer un mineur? Oui, on a le cas. Alors, le plus souvent, effectivement, c'est vrai que ça va être parfois, enfin, je dirais dans les 3/4 du temps, une demande qui émane de nos clients de faire travailler peut-être un enfant du personnel, comme ça peut se faire encore aujourd'hui. Et effectivement, on peut déléguer du personnel intérimaire mineur à condition de respecter un certain nombre, effectivement, de critères, ne pas les faire travailler de nuit, éviter le port de charges lourdes, ne pas déléguer plus de 35 heures par semaine. Voilà, on a quand même un tas de critères du légal à respecter, ça c'est très important. Mais on peut déléguer effectivement des personnes mineures qui ont plus de 16 ans. Voilà. Alors c'est D'accord. Donc ça veut dire que les plus de 16 ans peuvent aussi s'inscrire en intérim, du coup. Bah écoutez, c'est possible, en tout cas on a le cas. Alors je ne vais pas vous dire qu'on a le cas régulièrement, mais ça nous arrive effectivement de temps en temps d'être amené à déléguer du personnel mineur. Voilà. D'accord, mais c'est bon à savoir du coup. Tout à fait, exactement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur le live? Je n'en vois pas. Mais écoutez, moi, j'ai plus de questions non plus, sauf si vous voulez qu'on parle d'autres sujets. Et après, moi, enfin, c'est vrai que j'invite toutes les personnes qui ont peut-être, je ne sais pas, encore des interrogations, qui ne sont peut-être pas encore inscrites au sein de notre agence, bah, ne pas hésiter à nous solliciter alors, par téléphone, par mail ou s'ils souhaitent prendre un rendez-vous. Je ne l'ai pas précisé, on est situé 30 rue du Pont-Neuf à Alençon. Voilà pour ceux qui n'avaient pas l'adresse. Après, voilà, c'est plutôt simple à trouver. On est entre le centre-ville et Montsort à Alençon. Voilà, ne pas hésiter à revenir vers nous. Donc, je me suis moi présentée tout à l'heure. Donc, je suis Vanessa et vous serez amenés aussi, enfin, les personnes qui seront amenées à nous contacter, à échanger sans doute avec donc Anila Busco, c'est ma responsable d'agence qui est aussi responsable
de l'agence de L'Aigle et de Verneuil. Et puis Maude Bruno, ma collègue qui est consultante RH comme moi, voilà, depuis bientôt 3 ans au sein de l'agence. Donc ça sera un plaisir de pouvoir échanger à nouveau, voilà, avec les candidats et tous ces talents, voilà, qui recherchent du travail actuellement. On espère pouvoir les orienter au mieux et leur proposer surtout, voilà, des missions intérimaires ou des postes à pourvoir en CDD et CDI. Voilà. Très bien. Donc on peut vous retrouver, donc vous avez un site internet, on peut vous appeler, vous envoyer un mail et on peut vous retrouver, vous avez une page Facebook aussi, c'est ça? Alors il y a une page Facebook qui est dédiée, alors c'est le groupe Randstad France qui est une page, et qui va diffuser assez régulièrement effectivement des informations qui pourraient être importantes pour différents candidats. Ne pas hésiter à aller y jeter un œil. Voilà. Très bien. Eh bien, on espère que le message est passé. Merci beaucoup. Merci pour cet échange voilà, qui est inhabituel, mais ça va sûrement devenir une nouvelle normalité, voilà, d'échanger de cette façon. Et c'était très agréable en tout cas. Eh bien, merci à vous, Vanessa. À bientôt, Léa. Très bonne journée. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde, à la prochaine.